Salut tous les amis, c'est Kardex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, un superbe tuto d'une magnifique prison. J'espère vraiment que ce tuto va vous plaire. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit like, petit défi 300 likes. Et n'hésitez pas également à vous abonner et à partager la vidéo pour être au courant de chacune de mes prochaines vidéos. Alors pour ce tuto les amis, on se retrouve du coup sur une prison qui est plus ou moins moderne. Hein, donc vous voyez avec des murs tout autour, on a également ici... Si vous voyez des genres de petits terrains de basket, voilà, pour jouer, hein, tout simplement, pour que les prisonniers puissent un peu s'amuser. Au niveau du bâtiment principal, voilà, j'ai fait un bâtiment qui est relativement moderne. Donc c'est juste un genre de grand rectangle comme cela, d'accord. Voilà, des coloris gris, mais également un peu rouge comme cela, rouge-orange. Donc je trouvais ça sympa. Du coup, on a les 4 tours hein, qui permettent de visualiser les alentours de la prison pour être au courant si un évadé prend la fuite, tout simplement. Donc voilà les amis, on va se retrouver tout de suite pour le tuto, j'espère vraiment qu'il va vous plaire, n'hésitez pas à liker, vraiment ça me ferait énormément plaisir, on se retrouve tout de suite pour le tuto de cette magnifique prison. Ok, alors les amis, pour le tuto, nous allons avoir besoin des différents blocs que j'ai ici en dessous, n'hésitez pas à prendre du coup ces blocs, et il y aura sûrement d'autres blocs qui vont se rajouter par la suite au tuto, mais ne vous inquiétez pas, je vous dirai les différents blocs à prendre. Alors pour les blocs qu'on a déjà besoin pour le commencement, on a la roche lisse, on a la terre cuite cyan, on a le bloc de roche, la toile d'araignée, les dalles en pierre taillée, les murets en pierre taillée, les vitres noires, la terre cuite gris clair et les murets d'andésite. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite du coup là-bas. Donc c'est là-bas que je vais commencer le premier mur. Donc on va commencer, comme ça vous savez un peu, la première chose que je vais réaliser, c'est ici les deux piliers de la porte d'entrée, d'accord. Donc ce sera vraiment le milieu de la cour de la prison, d'accord. Donc voilà, je vais me mettre vers ici et on va commencer ça tout de suite. Donc on va commencer directement en prenant les blocs de roche lisse. On va faire ici, regardez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme cela, d'accord. Ensuite, on va laisser 8 blocs d'espace. Donc juste pour mettre les blocs, je vais faire ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on recommence le premier pilier là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme cela. Vous pouvez ensuite supprimer les blocs ici, c'était juste pour calculer la longueur. Donc voilà, quand on a ça, maintenant on va pouvoir prendre la terre cuite cyan, d'accord. Et alors on va monter, je vais quand même aller vérifier au niveau du combien de blocs on est, je pense que c'est 6 en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, super. Donc on rajoute 6 blocs de terre cuite cyan. Regardez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous faites ça pour les deux piliers. Ok, voilà, une fois que vous avez rajouté 6 blocs en hauteur hein, sur les deux piliers, vous pouvez terminer en prenant les dalles en pierre taillée et en emplaçant comme cela sur le dessus. Super. Quand c'est fait, vous allez prendre maintenant le bloc de roche, d'accord. Vous prenez le bloc de roche et vous allez ici mettre 27 blocs. Regardez bien, je vais faire avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Et c'est bon, d'accord. On fait la même chose sur notre droite. Donc on vient ici, 27 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. C'est super. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez maintenant encore ajouter 3 blocs. 1, 2, 3, c'est même 4 il me semble. Voilà, 4 blocs comme cela. Regardez bien, je vais aller vérifier. Mais normalement c'est bien ça, c'est 5 blocs en hauteur au total. Ouais, ok. Donc vous rajoutez du coup 5 blocs, enfin vous avez au total 5 blocs en hauteur. Hein. Donc regardez bien, 1, 2, 3, 4, 5, donc... Voilà, on met nos 5 blocs en hauteur sur les deux murs, d'accord, et on va se retrouver tout de suite. Ok, voilà les amis, vous pouvez voir, j'ai donc terminé de faire mes murs, et par-dessus ces murs, j'ai rajouté des toiles d'araignée. Donc vous voyez, vous faites ça des deux côtés, vous rajoutez des toiles d'araignée sur votre mur. Ensuite, on va reprendre la roche lisse, on va venir ici, et là tout simplement, on va faire un petit carré de 4, regardez bien, 1, 2, 3, 4.
Voilà, comme ça, vous voyez. Donc, c'est un carré de 4 cubes. 1, 2, 3, 4 sur 4 aussi. Comme cela. Vous voyez, 4 blocs sur 4 blocs. Et ensuite, vous pouvez, du coup, monter ici avec l'intercutissant. Et c'est pour faire, en fait, ça, les piliers. Du coup, on va faire ça, déjà, des deux côtés. Je vais les regarder après combien j'ai fait en hauteur. Donc, ici, pareil. 1, 2, 3, 4. Voilà, d'accord. Alors aussi, après, au niveau de la terre-cuisson, j'en avais mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 blocs en hauteur. Donc vous faites ça, vous rajoutez 8 blocs en hauteur sur les 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous faites ça sur nos 2 carrés. On va se retrouver tout de suite. Ok, voilà les amis, une fois que vous avez monté vos murs, vous pouvez à présent prendre ici les murets en pierre taillée. Et on va en ajouter à chaque fois 2 au niveau des coins. Donc comme cela. Hop, parfait. Ensuite, on prend la vitre teintée en noir et on va en placer à chaque fois, voilà, entre nos murets. Super. Quand c'est fait, vous prenez la terre cuite gris clair, vous allez en placer ici sur le dessus. Parfait, comme cela. Vous prenez ensuite les dalles en pierre taillée, on va venir ici et on va faire tout le tour de notre tour, comme cela, et on recommence la même opération ici. Donc tac, hop, voilà. Quand c'est fait, vous gardez la dalle en pierre taillée, vous allez venir là, vous allez faire 1, 2, 3, 4 comme cela. Et on obtient du coup notre tour. Vous refaites ce qu'on a fait là, ici à droite. D'accord, on va se retrouver tout de suite. Ok, voilà les amis, j'ai donc terminé de faire mes 2 tours. C'est super, maintenant on va reprendre ici la roche lisse. On va venir ici et là tout simplement on va laisser 6 blocs d'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite on met ici un bloc de roche lisse. Ensuite on refait la même chose, 6 blocs d'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et hop. Et normalement, vous avez à chaque fois, regardez bien, 6 blocs d'espace entre vos piliers, d'accord? Donc on a 1, 2, 3 piliers avec toujours 6 blocs entre les piliers. Ensuite, vous allez prendre l'intercutissant, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et vous mettez ensuite une dalle en pierre taillée sur le dessus et on obtient du coup ce résultat là. Vous faites la même chose ici sur la droite. Et super les amis, maintenant quand c'est fait, on va passer au mur gauche et droit, d'accord? Donc le mur de gauche et le mur de droite, on va commencer par celui de gauche et de toute façon ce sera exactement la même chose sur l'autre côté. Donc ça, je vous demanderai juste de faire exactement la même chose, hein. Je vais pas le faire avec vous. Donc on va commencer ici à gauche, on va reprendre la roche, hein, et vous allez faire ici, en partant de là, on va faire 62 blocs. Donc ça, je vais le faire avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. D'accord, une fois que vous avez fait 62 blocs comme ça, vous refaites la même en hauteur, hein, donc la même hauteur que là-bas, d'accord? On va se retrouver tout de suite. Ok les amis, j'ai donc fini de faire le mur. Maintenant, vous pouvez reprendre. Donc j'ai fait le mur, j'ai fait l'étoile d'araignée, hein, comme les autres murs là-bas. Vous allez reprendre ici le bloc de roche lisse et on va refaire exactement la même tour, hein. Donc vous venez ici, vous allez faire 1, 2, 3, 4, hop, 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 hop. Donc on refait notre base de 4 et ensuite vous refaites exactement la même tour qu'on a fait là-bas et on va se retrouver tout de suite. Ok, voilà les amis, j'ai fait du coup à gauche exactement la même tour qu'ici à droite. Maintenant vous allez pouvoir faire les piliers comme on a pu faire à l'avant. Donc encore une fois, c'est exactement la même chose, tous les 6 blocs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, tous les 6 blocs d'espace, vous mettez ici un bloc de roche lisse et vous faites ça du coup jusque là-bas et ensuite vous, tout simplement vous refaites, hein, les mêmes piliers. Donc c'est très simple, hein, c'est toujours les 6 blocs d'espace et ensuite on va se retrouver juste après.
Ok, parfait, vous pouvez voir, j'ai donc terminé de faire mes piliers, donc on a fini le mur de gauche, vous allez faire exactement le même mur à droite, donc à partir de cette tour-ci, vous refaites exactement la même chose, et on va se retrouver une fois que vous avez terminé. Ok, parfait, une fois que vous avez terminé de faire le mur à droite et le mur à gauche, donc le mur de droite c'était le dernier qu'on devait faire, on va se rendre ici à l'arrière et on va faire le dernier mur de la prison. Donc pour cela, on vient tout simplement ici, on reprend le bloc de roche, et là on part de là, d'accord? Et on va aller, alors attendez, comme ça je vais pas me tromper. Ouais, parce que justement j'allais me tromper, donc on va pas faire ça. Donc regardez, on revient ici, hop, on part pas de là, on part d'ici, d'accord? Vous partez de là, donc vous refaites le même nombre de blocs en hauteur, vous laissez ici 3 blocs d'espace, 1, 2, 3, pareil. De l'autre côté, vous laissez les 3 blocs là et vous partez de là et vous rejoignez les deux côtés, d'accord, avec le bloc de roche. Ok, quand c'est fait, on va refaire encore une fois des piliers. Donc pour cela, on reprend le bloc de roche lisse. On vient ici, on va laisser 6 blocs d'espace. Alors ici, hop, regardez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs d'espace. Ensuite, on met un bloc. Ici, encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs d'espace, on remet 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs d'espace et on remet, d'accord. Pour l'instant, on a mis 3 blocs. Ensuite, ici, on n'a plus 6 blocs, mais 7 blocs d'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs d'espace, d'accord. Maintenant, on refait la même chose, mais en partant de la droite. Donc, ici, 6 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs d'espace, 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs d'espace, 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs d'espace, et là 7 par contre pour le dernier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs d'espace, et normalement si vous ne vous êtes pas trompé, on aurait ici 8 blocs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est parfait. Donc si vous avez 8 blocs au niveau, ici au niveau central, hein, c'est que c'est parfait, c'est que vous avez fait les choses correctement. Vous prenez ensuite la terre cuite sciant, vous montez de 4 blocs et vous remettez la petite dalle en pierre taillée au-dessus pour faire nos piliers. Ok, parfait, vous pouvez voir, j'ai donc terminé de faire mes piliers. Donc là, tout ce qui est au niveau de l'extérieur, on a terminé. Maintenant, les amis, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va refaire les mêmes piliers qu'on a fait à l'extérieur, on va les refaire à l'intérieur. Donc pour cela, à chaque fois, vous reprenez les mêmes blocs, vous regardez et vous refaites à chaque fois le pilier de l'autre côté, d'accord? Donc faites ça pour tous les piliers qu'on a mis à l'extérieur, vous les refaites à l'intérieur, et on se retrouve tout de suite. Ok les amis, c'est terminé du coup pour l'enceinte de la prison. Maintenant, on va juste faire quelques modifications au niveau ici de l'intérieur de la prison, d'accord? Donc déjà, ce que vous allez faire, c'est pouvoir prendre les murets en andésite. Vous allez venir juste ici, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Là pareil, 1, 2, 3, 4, 5, comme cela. Et vous pouvez monter ici, hop, au même niveau que les murs. Hein. Donc hop, on fait ça comme ça. Parfait. On fait ça des deux côtés. Voilà. Et du coup, on obtient nos portes de la prison, d'accord? Donc on a une de chaque côté, c'est super. Quand c'est fait, vous allez prendre ici le béton gris clair. Donc ici, voilà, le béton gris clair. Vous le prenez. Vous allez venir ici. Vous allez compter avec moi. Regardez bien. 1. Donc le premier mur. Le deuxième. Le troisième. Et au niveau du quatrième mur, d'accord, ici, vous allez venir au niveau... alors attendez, je vais quand même vérifier. Mais normalement, c'est au niveau du quatrième bloc en partant de là. Ouais, c'est bien ça. Donc, vous venez... Hop, regardez bien, donc on va recommencer. Premier mur, deuxième mur, troisième mur, quatrième mur. On vient au quatrième. On va au quatrième bloc, donc c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 ici. Et là, on va compter 9 blocs d'espace. Alors, pour calculer, je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? On va faire la même chose de l'autre côté. Premier mur, deuxième mur, troisième mur, quatrième mur. On va au quatrième bloc du quatrième mur. 1, 2, 3, 4.
9 blocs d'espace, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, vous allez prendre le béton gris clair et vous allez tout simplement faire une ligne. Voilà, qui part de là et qui va jusque de l'autre côté. Voilà, c'est parfait. Et ensuite, vous supprimez. Voilà, ici les blocs qu'on avait mis pour compter. Parfait. Quand on a cette ligne qui est faite, vous allez rajouter 26 blocs vers le fond. Donc regardez bien, je vais faire avec vous 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. On refait la même chose ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Et ensuite, on vient ici relier nos deux murs. Parfait. Ici, du coup, on a les bases de, les bases du bâtiment de la prison. C'est super. Quand c'est fait, vous allez maintenant, regardez bien, prendre... Hop, 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 je vais vous montrer. Vous prenez le bloc dans des zits, d'accord? Et vous allez pouvoir en placer partout, donc autour de la base. Donc vous en placez vraiment partout, hein. Pam, 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 tout autour, d'accord? Donc à l'intérieur, ici. Et du coup, on va se retrouver une fois que ça sera fait. Ok, voilà les amis, j'ai du coup mis de l'andésite partout autour hein, de ma base. Pour terminer, vous allez venir juste là. Et vous allez pouvoir mettre de l'andésite. Alors, on va peut-être pas la mettre là, non. On va prendre les escaliers en andésite. On va pouvoir ici en placer. Comme ça, là, vous mettez de l'andésite normal. Hop, et là, tout simplement, hop. Que ça fasse plus beau, on fait ça. Et du coup, ici, on a notre entrée de la prison. Donc, on va se terminer cet épisode ici hein, pour l'épisode 1. Dans l'épisode 2, on fera ici la cour. Donc, au niveau de la cour, il y a un peu de décoration avec, vous pouvez le voir, on a des bancs, d'accord. On a des bancs. On a également ici un petit terrain de basket de chaque côté. Et on a un peu de végétation. Donc, dans le deuxième épisode, on fera la cour. Et on fera également, à mon avis, l'enceinte du bâtiment. Et dans le dernier épisode, on fera également l'intérieur ensemble. D'accord? Donc voilà, les amis, c'était Cardax. Vraiment que ce premier épisode de cette prison vous a plu. On se retrouve bien assez vite pour l'épisode 2. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Cardax. Salut à tous!